Salut les gens, alors aujourd'hui je vous emmène un petit peu avec moi en vide grenier en fait. Là je viens déjà d'en faire deux. Et franchement je pense que c'est les deux meilleurs que j'ai fait de cette année. Route et on est dans des petits chemins des Vosges en fait. Et là je suis super content. Après on fait le point en rentrant à la maison, bah, je vais vous faire un petit débrief de vide grenier. Mais franchement... Ouais, franchement, je suis super content. Allez, sur ce, je vous laisse. Je tourne à un autre vide-grenier. Normalement, je vais en faire 4, voire peut-être 5. Je récupère mon fils pour l'emmener parce que lui, il collectionne les jeux vidéo. On se retrouve pour le débrief de ces 4 vide-greniers où je suis allé, où j'ai trouvé 9 appareils photographiques. Des biens, des moins bien. C'est toujours plaisir. Et là, franchement, je suis super content d'avoir trouvé tout ça. Le premier, Minolta. Alors c'est un Minolta Riva Zoom 70. Rien, j'ai pas testé du tout pour l'instant, on rentre tout juste. Donc bien sympa, alors il est un peu usé, il est un petit peu esquinté ici. Mais ça peut être pas mal. Deuxième appareil photo, pareil, trouvé dans la même caisse, au même vide-grenier. Un Canon Prima Junior DX. Ouais, il est en pas trop mauvais état, hein. Je pense que celui-là doit fonctionner. Toujours même vide-grenier, un stand quasiment en face. Ceci, un zoom, un Olympus Super Zoom 70. C'est un appareil qui est plutôt pas mal. On continue sur le même vide-grenier. Un Minolta Hachi Matic S2. Je sais pas, j'ai un doute sur son fonctionnement. Faut que je regarde exactement comment ça marche, quoi que ce soit. Voilà ce que j'ai trouvé sur le premier vide-grenier. J'en ai trouvé 4 au total. Un tout petit vide-grenier de rien du tout. Il y avait quoi, une trentaine d'exposants, et 4 appareils photo. Et en plus, j'en ai laissé parce qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient pas du tout. Des sous-marques, des appareils rebadgés et tout ça. Je les ai laissés. On va passer au dernier vide-grenier que j'ai fait. On va pas prendre le deuxième. Le deuxième, c'est le plus intéressant. Pareil, un tout petit vide-grenier de rien du tout. Et c'est le plus intéressant. Par contre, on va passer au dernier vide-grenier que j'ai fait. Parce qu'en fait, on va aller aussi crescendo un peu par rapport aux appareils photo. Et le dernier que j'ai fait, à côté de chez moi, à 2 km, même pas 2 km. Allez, juste à côté de chez moi, elle fait quoi? Allez, il y a 5, 6, ouais, il y a 1 km quoi pour y aller. 1 km. En rentrant, en fait, je me suis arrêté en rentrant pour voir. Et ben, j'ai trouvé ça. Oh, ce petit Canon Zoom 85N. Alors celui-là, je suis sûr, il fonctionne, puisque dedans, il y avait une pile qui était en fin de vie, et en fait, quand on tourne le bouton on-off, eh ben, il s'allume. Donc on va passer sur l'avant, le troisième vide-grenier que j'ai fait. Un gros, par contre, là, un gros vide-grenier, les prix n'étaient pas tout à fait les mêmes. Un petit Konica Z-Up 140 Super. Alors ça, c'est un appareil qui est plutôt pas mal. Les Konica sont assez réputés. Personne n'en parle de trop, mais ils sont quand même bien réputés et généralement, ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au deuxième vide-grenier que j'ai fait, un peu perdu dans la campagne. Alors, je vais pas vous dire où c'est exactement. Hein. Vous savez très bien que je suis des Vosges, que je navigue autour dans le département. Et là, ce dimanche, il y en avait vraiment beaucoup. Je ne sais pas tous faire. J'aurais peut-être complété aussi la collection. Et là, franchement, ce deuxième vide-grenier, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis super content de ce que j'ai trouvé. Ça, j'ai trouvé 3 appareils photo sur, 30 stands. Beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas. Et puis, des choses, je suis tombé dessus. Je n'ai pas pu les laisser passer. Premier appareil photo que j'ai trouvé, c'est ça. Un Mamiya M à tester. Je sais pas dans quel état il est, s'il fonctionne ou pas. J'ai un peu peur, hein, je vous cache pas. Premier abord, je pensais qu'il serait fonctionnel, mais là, en y regardant un peu plus près, il y a un petit bout de scotch ici qui m'inspire pas confiance. Mais bon, je l'ai trouvé génial. En fait, ce Mamiya M, je l'ai trouvé magnifique en le prenant en main. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je l'ai peut-être payé un peu cher, surtout s'il fonctionne pas. Voilà. Je l'ai trouvé magnifique. Deuxième appareil photo
que j'ai trouvé sur ce même vide-grenier. Vous connaissez ce boîtier, hein, vous voyez peut-être un peu ce que c'est. Et ben, c'est un EOS 50. Personne m'a dit qu'il fonctionnait, c'était son appareil photo à lui. Je pense, ouais, il y avait une pile dedans, mais la pile était morte. Il a quelques petits jetons, hein, il a servi, hein, on voit qu'il a servi la semaine et la mimi. Alors, franchement, je ne l'ai pas payé cher du tout. En fait, pour rien vous cacher, je l'ai payé 10 euros celui-ci. Donc je l'ai pris. Parce qu'en fait, rien que le prix de ça, ça fait, même s'il ne marche pas, à la rigueur, c'est pas grave. Mais la partie ici, vous voyez la partie qui est là, qui ferme le boîtier, elle est en bon état. Et ça, c'est primordial. Là, je vais vous parler d'une petite pépite que j'ai trouvée. Franchement, je suis super content d'avoir dégoté ça. Ceux qui me suivent sur Insta, bah, ils ont peut-être déjà vu passer quelque chose. Parce que j'ai publié une petite photo dernièrement. Donc voilà, parce que entre le temps que je fasse la vidéo, que je fasse le montage, que je mette en ligne et puis tout, il va se passer peut-être quelques jours, je sais pas combien de temps, mais quelques jours. Et là, voilà ce que j'ai trouvé. Un Olympus Pen EES2. Alors, cet appareil photo ne fonctionne pas. Je l'ai pris parce qu'en fait, je cherchais un demi-format depuis quelques temps. C'est l'appareil photo le plus cher que j'ai acheté de tout D9, quoi. Je suis super content d'avoir eu ces appareils photo là, ce week-end, d'avoir trouvé ça. Ça m'a fait, ça m'a fait mon week-end, quoi. Ça m'a fait mon dimanche matin. C'est encore du bordel supplémentaire à la maison, mais ça me fait super plaisir. Donc sur ce, voyez, cherchez dans les vide-greniers, fouillez un petit peu, allez à droite, à gauche, allez chercher vraiment vos appareils photo, discutez avec les gens, faites un effort de vous déplacer, hein, d'aller en petite campagne, tout ça, vous trouverez toujours des choses intéressantes. Après, voilà, sur les 9 que j'ai, j'en ai peut-être pas qui fonctionnent, ça se trouve, j'en ai aucun qui fonctionne, mais c'est le risque. Après, il faut savoir mettre un tarif sur le risque. Moi, là-dessus, je vais vous dire clairement, pour les 9 appareils photo, j'en ai eu pour 52 euros. 52 euros, c'est beaucoup. Ça commence à faire une certaine somme pour certaines personnes, j'en suis tout à fait conscient, mais c'est pas énorme. J'ai un gros risque que ces appareils photo ne fonctionnent pas du tout, et là c'est entre guillemets 50 euros mis à la poubelle, ou non, parce que franchement moi ça me plaît en tant que collectionneur. Cherchez vos appareils, faites de la photographie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.